All right, so break, the NHL Fun Break and Rise, le numéro 17, est une présentation de TW Sports Cards. TW Sports Cards, c'est là faut que tu ailles chercher tes cartes, le grand. Hey, salut, donc petit setup un peu différent, on s'excuse pour la présentation. C'est pour les playoffs. Je viens de manquer la fin du match de Détroit, donc je souligne tout de suite, je tiens à féliciter Pavel Datsyuk pour l'ensemble de sa carrière, notamment une belle carrière avec les Red Wings. Alors voilà, aujourd'hui un break incluant une boîte de Select 2013-14 et SPX 2015-16. Alors, nous allons procéder. J'ai pas le laptop avec moi, donc je ne consulterai pas l'écran. Il est présentement 21h52. Et je m'excuse si je parle pas fort, à défaut d'être dans le salon, c'est-à-dire dans la cuisine. Je suis dans le salon, donc à côté de la chambre des enfants. Alors, qui font dodo, bien sûr. Alors, je ne parlerai pas fort, mais cette fois-ci, vous ne me verrez pas la face. Quoique, peut-être à la fin, j'en entends qui disent yes. Alors, voilà. Fait que ça, j'ai pris soin de me mettre là, au moins. T'sais. Alors, voilà. Donc, sans perdre plus de temps, on va s'exécuter. En souhaitant que j'oublie rien. Bonne chance tout le monde. Ok, on va commencer par le numéro de la boîte. Donc, dans le cas présent, le numéro de boîte, on va essayer de le placer pour que vous puissiez le voir. En tout cas, c'est le NE 20 64 34 725. Et on y va. J'ai beaucoup moins de latitude d'espace que lorsque je le fais dans la cuisine. Donc, ah oui, c'est ces boîtes-là. Cool. Donc, c'est 3-1 dans la série entre les Penguins et les Rangers en faveur des Penguins. Je suis pas habitué à être en first shooter person. Donc, la boîte est vide. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Si je vais mettre mes clés dans mes poches. Là, je suis limité dans mes mouvements parce que je veux que rester dans votre chambre. Donc, ça, je peux enlever ça. Voilà. Et je peux le voir ici.
plus vite. Si. Donc, bonne chance tout le monde. On commence ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, base. Base. Pour les Oilers. Pour les Oilers, on a Justin Schultz, Fire on Ice Bleu, numéroté 1 de 25. Félicitations. Donc, voilà. Un rookie pour les Flyers de. Un rookie des Flyers de Matt Connell. Puis j'imagine que la personne va la vouloir. Donc une base de Bernard Parent. Fait que je vais. Voilà. On continue. Faire la protection un petit peu. Excusez-moi. Panarin m'a dit qu'il ne fait pas de coke. Donc, c'est Pierre-Luc Gagnon-Fortin, je pense, qui a pris Edmonton dans ce break-ci. Donc, deuxième paquet. Une base. Y a-t-il des prismes? Decoy. Ici, un rookie, Jason Atkinson pour Philadelphie. Voilà. Je vais juste vérifier si j'ai pas des prismes. Non. On continue. Je vois n'importe comment aujourd'hui. Hein. Donc, nous avons une base. Une autre base. Whoops. Une autre base. Ici, nous avons une Youth Explosion de Zach Dalpé pour la Caroline. Et une base. Donc, félicitations, la Caroline. Je pense que c'est Yamete. Je sais pas. Faudrait que je vérifie. Je veux pas dire n'importe quoi. OK, avant que du monde s'inquiète, je fais toujours une vérification. Avant de faire l'expédition. Même souvent, on dirait que je vérifie plus que vous. Je m'explique, il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, hey, j'ai reçu des cartes, mais j'ai pas participé à ton break. Ben oui, t'as participé. Après vérification, t'as même payé. Alors, ici, nous avons, est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc, juste un petit instant. OK, regardez. Là, je dépose ça là. OK. C'est parce que je veux vous surélever un peu, mais en restant stable. Ok, ça devrait être bon. Donc, nous avons Bales. Une autre base pour les Caps
les caps, c'est pas mon chum, ça. Il me semble que c'est quelqu'un qui a pris ça à la dernière minute. Oui, c'est mon chum Steve Laporte. Il est venu me payer tantôt. C'est pour ça que ça me rentre dans le pute. Donc, Philip Grubauer, autographe, rookie. Et c'est numéroté sur 399. 8. Et base. Continue, je vais juste continuer ma double check. Donc, il n'y a pas de prison. Puis de ce côté-ci, des fois, il n'y a pas un rookie qui m'aurait sauté dans la face. On continue. Donc, base, ici, on a une prism de Evander Kane pour Winnipeg. Donc, on voit qu'il est marqué prism et on voit qu'elle est différente et une base. Donc, ici, on va check. Il n'y a personne qui est marqué rookie, non. Et voilà. On continue. Ah oui, j'avais dit à Martin Côté que je ferais mon imitation de M. Rouen. Alors, M. Rouen qui parlait comme ça. Bonjour, ah, ça va bien, oui. Ah, mais c'est belle fun. Hé, c'est une bébé, ça oui. Oh, elle est brillante celle-là. Je te veux dans mon équipe. Niklas Backstrom. Donc, Niklas Backstrom. Prism. Tabarnak. Bon. Cochonnerie. On a su les sleeves là-dedans, oui. On continue. D'accord, cochonnerie pas, non. Donc, base. Nous avons pour. Anaheim, les Ducks, nous avons Emerson Eaton en Select Future. Je sais pas si c'est. Non, je pense que ça fait partie du design, toutes les crises qu'il y a là. Base. Et. Pas base, des coins. Pour Calgary, nous avons Carter Banks. Je pense que c'est Yann-Éric qui a ça. Voilà, à mettre dans base. C'est pas Bay, c'est Banks. Donc. Voilà. Est-ce que c'est numéroté? Non. C'est épais. Donc, base. Et je veux juste qu'on va commencer. Oups, on voit que sur 199, oh tabarnak. Donc,
et Pace. Donc sur 199, Morgan Riley, auto jersey, numéroté sur 199. Félicitations. On va prendre épaisse. Alors voilà. Je pense que c'est le hit de la boîte. Donc, j'ai pas remarqué qui a pris Toronto. Mais même si c'est sorti tard, ça a été une bonne chose. C'était la recrue à poignée pour Toronto dans 2013-14. On continue. Base. Et Otaboire. Moi, j'ai une Carey Price comme ça et je la trouve très belle. Marky Brodeur. Donc, Martin Brodeur en Freezers. Voilà, belle carte. Juste vérifier si c'est pas. Non, c'est pas numéroté. Voilà. On continue. Donc, le décoy, une recrue. Daniel Bang. Et Mark Messier Bayes. Daniel Bang pour Nashville. Hey, ce fait là le grand. Dis-moi, on dirait quasiment dire ce fait là le cave. Voilà. Donc, on regardait ici les deux paquets. Je pensais que c'était un gros. Donc, base. Pour les Oilers, Ryan Nugent Hopkins. Autograph. Youth Explosion. Donc, Pierre-Luc Gagnon-Fortin. Je pense que je te porte chance. Parce qu'à toutes les fois que Pierre-Luc participe, il me semble que j'y envoie de quoi. C'est vraiment cool. Je suis bien content pour toi. Alors, avant-dernier paquet. OK. Oh, ils sont, c'est qu'on a une prism. Donc, base. Pour New Jersey, une autre Martin Brodeur. Fire on Ice orangé. Elle doit être copper, mais elle n'était pas numérotée. Et une prism de Piqué Subban. Voilà, et une base. Donc, voilà pour celui qui a New Jersey. J'espère que tu voulais du brodeur. En tout cas, je suis sûr que tu vas être content de l'apprendre. Ça fait toujours d'excellents traders. Dernier paquet pour le Select de 2013-14. Et nous pouvons attaquer. Voir si on sort du McDavid, du Larkin, du Domi. Alors, base. Ici pour Edmonton, parce que c'est là qu'il a passé le plus clair de sa carrière. Est-ce qu'on a de la même façon y est avec Edmonton? Donc, Yari Kouri dans les Honored Selection. Ensuite, une Dustin Brown pour LA dans le Prism. Et une base. Et c'est ce qui clôt le volet. Select. Alors, voilà. OK, je fais pour éviter de prendre du temps et de t'approcher, étant donné que je suis à côté de la chambre de mes enfants. Je vais faire la protection dans les top loaders par après. Donc, juste pour
l'instant. Voilà. Alors, récapitulatif rapide. Edmonton, Yari Kouri, Select Honor. Honor Selection, pardon. Prism, LA, Dustin Brown, Montréal, P.K. Subban, Prism, New Jersey, Fire on Ice, Martin Brodeur, Edmonton, Ryan Nugent-Hopkins, Otto, Youth Explosion, Nashville, Daniel Bangrookie, New Jersey, Martin Brodeur, Freezers, Toronto, Morgan Riley, Autograph Jersey. Sur 399, sur 199, pardon. Anaheim, Emerson Eaton, Select Future. Il n'y a plus rien pour Anaheim encore. Calgary, Carter Banks, en Select. Ici, Prism, Minnesota, Niklas Backstrom. Pour Winnipeg, Prism, Evander Kane. Pour Washington, recrue auto de Philip Grubauer, numéroté de 399. Pour la Caroline Youth Explosion de Zach Dalpé, qui est non numéroté. Pour Philadelphie, Jason Atkinson, rookie. Pour Edmonton, Justin Schultz sur 25, la une de 25. On s'excuse pour la chute. Pour Philadelphie, donc, cette carte rookie de Matt Connon, puis une base, mais probablement que la personne va la vouloir. Même chose, y a-tu des hits pour Détroit? J'ai pas vu des hits pour Détroit. OK. Alors voilà, c'est ce qui clôt le volet de Select. On va prendre quelques instants pour nettoyer notre espace de travail. Donc ça déjà, je vais aller mettre ça dans la boîte. Voilà. On va travailler à deux mains, ça va travailler mieux. Voilà. Voilà. Donc, on est rendu au programme principal. Donc, on est rendu à la boîte de SPX 2015-2016, numérotée BB01269-2606. Bonne chance à tous. On va gagner du temps. Voilà. Ok, j'ai. Voilà. Oh, c'est un tremblement de terre. Vide. Bonne chance. Donc, inimimimimo, père ou impair, père, 22h16, on est rendu.
Allons-y, ça filme toujours. Je capoterais si ça filmerait pas. Donc, premier paquet, je suis aussi fébrile que vous. Donc, base pour Philadelphie. Je me tromperai pas, là, je n'enverrai pas en arrière, mais gars, c'est Philadelphie. Donc, Yevgeny Medvedev. Et base. Sauf que. Ils ont des variantes. On va s'informer, puis on vous tiendra au courant. Voilà. Donc, félicitations. Est-ce qu'elle est numérotée? Non. Ah, c'est le fun. On a Chicago. Ah, je suis content. Hein. Écoutez, je veux voir. Ceux-là sont gold, puis celle-là est bleue. Les bleus ont quelque chose de spécial. SPX. Ça, c'est tout du covering gold. Ça doit être par rapport au chandail. Par rapport à l'équipe. Donc, on continue. Base, c'est ça que je disais. Donc, oh, pour le New Jersey, c'est Corey Schneider, Jersey. Ah, attends. Donc, voilà. Ici, base. Ce qui me fait penser, je me pose la question, si je porte pas la poisse. Il me semble que la dernière fois où j'ai fait une préparation d'envoi, j'ai chanté... le roi, le prince, puis j'ai comme insisté sur le prince, et c'est aujourd'hui, nous apprenons avec tristesse le décès de Prince, autrefois connu sous le nom de l'artiste. Je m'excuse, mon break est en français. Donc, ici, nous avons... Base et tableau. Mike Condon, rookie pour. Dans le trilogy. Wow, ok. Donc, Mike Condon pour le Montréal Canadien. Je porte l'attention tout de suite sur le petit coin qu'il y a là. Le voyez-vous? Regardez, vous voyez, il y a quelque chose qui est weird, donc, qui est différent. C'est pas moi. Ok. Decoy. Base et base. Félicitations. Qui a pris Montréal? Je pense que c'est encore une fois, c'est Pierre-Luc. Pierre-Luc, que je t'en fais. Donc, j'imagine que Pierre-Luc, il veut du Conor McDavid, pas juste du Mike Condon. Alors, ici, base. Oh, pour Vancouver. Trouves-tu où c'est un de mes chums qui a pris Vancouver? Genre Steve McNeil, pas Steve, Sylvain McNeil, on va voir ça. C'est peut-être, en tout cas, on regardera. Jake Virtanen, Jersey, ça c'est cool ça. Ça c'est vraiment cool ça. Sur 399, moi j'aime ça. Ça serait mon paquet, là. Je prendrais ça, je serais prêt bien raide. Ça aussi, le petit coin, même chose que l'autre, même coin que l'autre. Alors, oh, est-ce qu'on tient quelque chose? Oui, on tient des cartes. Tient même l'emballage. Plus maintenant. Alors, base, nice. Oh, tabarouette, ça j'aime ça. Pour San Jose, Nikolai Goldobin sur 399. Base. Donc voilà, félicitations. Une couleur par contre de jersey, mais c'est pas grave. Nice. Qui a pris les Sharks? Je pense que c'est encore Kevin Hamel.
Ben, tant mieux pour toi. Ça fait mal. On y va. Base. Pour les Bruins, Tyler Randall, rookie, et ce n'est pas numéroté. Decoy et base. Mais celui-là, le coin est pas. Le coin que. On dirait que c'est l'autre. Tu fais, Dave, quand tu vas chercher tes cartes et tes ramènes, ceux-là, ils m'ont été livrés chez un spécialisé par mon frère qui a fait un stop au TW. Je ne sais plus de la date exacte. Donc, si vous passez dans le coin, je vous invite toujours à les saluer. Alors ici, je vois quelque chose. Oh! Dans le Shift Change. Nathan MacKinnon, je pensais qu'elle serait signée quelque chose. Decoy. Base. Donc, une belle petite carte. Et voilà. De toute beauté. Ben, il y a déjà de plus toute beauté que ça, mais on voit que ce qu'on a dans la boîte. Donc, base pour le Canadien de Montréal, Zach Fucali, en SPX Rookie. Base. Voilà. Station. Il reste deux paquets, découragez-vous pas. Donc, en même temps, je me dis, celui qui a pris les... Ben, il y a Chicago que j'ai rien vu encore, mais... C'est celui qui a pris les équipes les plus chères à date, c'est lui qui a pogné quoi? Pour pogner le gros char, par exemple. Base pour San Jose. Donc, San Jose, je pense que c'était le bon choix économique. Alors, Nikolaj Goldobin en shift change. Base. Dernier paquet, Coleman Tambour. Est-ce qu'on arrive à le rentrer? Oui, voilà. Et le dernier paquet, en souhaitant qu'il soit chanceux pour vous. Voilà. Alors, la meilleure des chances. Et j'en profite encore une fois pour vous remercier d'avoir rempli le break assez rapidement. Alors, base pour les Panthers de la Floride, Stick Wizards de Jaromír Jagr. Donc, voilà. Et c'est sur ça. Que ce clou. Le break numéro 17 de NHL Fun Break and Raz. Voilà, on récapitule. Alors, Stick Wizards de Jaromír Jagr. Nikolaj Goldobin, Shift Change. Zach Fucali, rookie, SPX rookie. Nathan MacKinnon dans le Shift Change. Tyler Randall pour les Bruins, SPX rookie. Nikolaj Goldobin, autographe sur 399.
dans les Rookie Fabrics, donc avec un morceau de chandail. Goldobin, c'est ici. Pour Vancouver, Jake Virtanen sur 399 Jersey, dans le Artifacts. Dans le Trilogy, sur 799, donc est-ce qu'on marque une level? Je vois pas de level. Level 1 de Mike Condon, Montréal. Pour New Jersey, Corey Schneider, donc New Jersey récolte les gardiens ce soir. Voilà. Pour, nous terminons, donc premier hit dans le SPX de la soirée. Donc Yevgeny Medvedev de pour Philadelphie. Alors voilà. Donc c'est aux paroles de Chris, pas Chris, mais Mike Bossy, le frère de Chris, que je vous remercie de votre participation. Comme d'habitude, tout sera filmé pour la préparation d'envoi. Donc, à ce qu'on m'a dit, il restait quelques paiements. Donc, il y avait des paiements qui étaient partiels ou incomplets. D'autres seront faits demain. Alors voilà, je vais transférer tranquillement. Donc oui, c'est bien plus tranquillement, plus lentement que d'habitude. On va prendre ça plus relax. Et assurément, demain matin, vous aurez votre break en ligne. Alors, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Ça sera, c'est vendredi demain. Donc, une excellente fin de semaine. Je vous souhaite du bon hockey, du bon temps, même s'il pleut demain. Je sais que vous êtes capable de vous faire plaisir, faire un stop dans votre local card shop, puis vous acheter une boîte de quoi que ce soit, ou participer à un quelconque break, j'imagine, sur TW ou les accros. Je n'ai aucune idée. Je check m'occupe pas les autres. Fait que voilà. Donc, bonne soirée, bonne nuit. Merci d'avoir été là et à une prochaine fois. Salut. Félicitations aux gagnants. Puis, meilleure chance la prochaine fois aux autres. Ciao, ciao. Et félicitations à Pavel Datsyuk pour l'ensemble de sa carrière. Ciao. Ah, puis, les sympathies pour les hérissiers du prince. Ciao.